Salut, venez là. Hey, c'est moi, Flippy. Et aujourd'hui, nous sommes à Odyssey-Dale, à Scottsdale, en Arizona. Venez. Ça va être trop génial. Je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, nous allons étudier des animaux. Wow, regardez cet endroit. Oh, ça, ce sont des gouttes de pluie. Hello. Ok, allons par ici. Wow, on est presque au sommet. Ouais, allons-y. Ça va être trop méga fun. Oh, vous avez vu ça? J'ai juste mis deux doigts derrière la tête et sur le dos de cet esturgeon russe. Oh, il a l'air d'aimer ça. Ça fait trop du bien! Rugueux, mais il y a comme une sorte de couche de vase sur le dessus. Ça l'aide à garder les parasites à distance. Oh, il y en a un autre! C'est génial! Wow! Vous avez vu ça? Je viens juste de toucher une raie, du bout des doigts, tout doucement sur son dos. Waouh! Ok, attrapons-en. Attrapons-en une autre. Oh, il y en a une autre par ici. Oh! Ouais! Oh! Ah, il me nargue! Oh, venez par là! Waouh! Il y en a de partout! Oh! Regardez celle-là! Elle se repose juste là au fond. C'est une espèce différente. Oh, en voilà une. Oh, oh, oh. Hey, je vais vous décrire ce que ça fait. C'est un peu une sensation de... Oh, encore une là. Oh, ouais, j'ai réellement la sensation maintenant. Une sensation de... bonbon. Un nounours humide. Glissant et doux en même temps, mais ferme également. Wow, ça c'est fun. Wow. Oh, hey. Hello, Blippi. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis juste assis là, je regarde mon poisson favori, le poisson spatule. Wow, le poisson spatule, super cool. Ah ouais. Ouais, à la prochaine. À la prochaine, Blippi. Ça, c'est vraiment cool d'être dans les coulisses d'un aquarium. Hello! Salut! C'est trop génial! Ouh! Salut! Tous les employés sont cool ici. Wow! Regardez ça! On est au sommet d'un aquarium! Wow! Toute cette eau! Et ces poissons là en dessous! Wow! Ok, suivez-moi. Wow! Regardez cette pièce! Il y a tous ces équipements de plongée. Bouteilles, combinaisons. Wow. Ok, il faut qu'on aille donner ces poissons aux requins. Je parie qu'ils sont affamés. Venez. Wow. Wow. Ok. Oh, regardez ça. Celui qui a dessiné ça est un artiste. On peut voir les différentes parties du requin. Ouais, les branchies. Wow! Regardez! Ouais, on y va! Et voici! Oh, merci! Ouais! Je vous en prie, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Dani! Voici Dani! Et que faites-vous ici? Eh bien, on est là avec Cathy, et elle est en train de nourrir le gros requin en bas. Wow! Regardez, je vois un poisson là-bas, regardez! Wow! Pourquoi tient-elle un poisson sur une perche? C'est avec ça qu'on donne à manger aux requins, parce qu'ils sont assez loin dans le fond du bassin. Elle a donc besoin d'un outil très long pour amener la nourriture jusqu'à leur bouche. Ok.
Donc, elles tiennent la perche avec le poisson au bout, et ensuite, le requin arrive et prend son souper. Ça a l'air fun. Waouh! Ces poissons ont l'air gros. Quelle est la taille des poissons que mange le requin? À peu près comme ça. On l'appelle le poisson bleu car il a une teinte bleutée. Ok. C'est un poisson bleu et ils sont gros comme ça. Alors, quel genre de poisson nous avons là? Alors, vous avez ici des harengs. Ce sont ces gros poissons-là. Ok. Ensuite, des capellans qui sont des petits poissons comme ça. Ok. Oh, intéressant. Oh, hey, oh. Bon, c'est assez cool de voir quelqu'un faire ça, mais... Hey, est-ce que je peux nourrir les requins? Ouais, absolument. Ouais, ok. Juste, assurez-vous de bien mettre vos gants, parce que le poisson, ça sent pas très bon. Ok, bon, et voilà, on enfile bien les gants. Ça m'évitera de sentir le poisson pendant des semaines. Ok, très bien, j'ai mis mes gants. Et voilà, un gant, deux gants. Très bien. Et maintenant, que dois-je faire? On va juste prendre cette bassine que vous avez ramenée de la cuisine et on ira par là-bas. Ok. Très bien. Ok. Ok. Super. Nous allons les nourrir, là, sur la plateforme. Ouais. Dès qu'on va monter dessus, les poissons vont venir nous voir. Ok. Wow. Regardez. Je suis sur la plateforme. Oh, regardez. Pas de barrière entre moi et les poissons. Ok, attention, je vais sauter. Ah non, mais je rigole. Bien, c'est parti. J'en jette qu'un seul à la fois? Ouais, comme vous voulez. Un à la fois ou tous en même temps. J'ai compris. Amuse-toi bien. Allez. Ouh, regardez-les venir. Ah, ils se régalent avec ces poissons. Wow! Regardez-les tous! Ils affluent à la surface! Parce qu'ils comprennent que je lance tous ces poissons pour eux! Ohé! Ohé! Wow! Et voilà les poissons! Est-ce que c'est bon? C'est bon les poissons? Ou bien, c'est bon? Ok, il en reste un peu. Et voilà! Wow! C'était trop méga fun! Bon boulot! Wow! Oh! Elle nourrit une tortue! Venez! Wow! C'est super cool par ici! Wow! Ok, allons par ici! Wow! Ok, qu'est-ce que vous faites? Je nourris Greta, la tortue verte de mer. Wow, elle nourrit Greta. Joli nom. Où est-ce Greta? Vous voyez Greta? Hello Greta. Hey. Oh, qu'est-ce que Greta aime manger? Greta adore la laitue. Mais elle aime aussi les concombres, les poivrons et même parfois les carottes. Wow! Laitue, poivron, concombre et carotte. Apparemment, Greta mange très sainement. Je peux donner à manger à Greta? Ouais. Ok, très bien. Comment je fais? Juste un peu? Ouais, on en donne un peu, une feuille entière. Il faut juste la jeter devant elle. D'accord. Et voilà, Greta. Waouh. Hey, qu'est-ce que tu fais derrière toi? J'en lance une autre? Ah, ça y est. Bien sûr. Et voilà. Parfois, elle n'a pas assez à manger. Ok. Ouais. Oh, Greta est affamée. Encore un peu, Greta? Voilà. Oh, Greta est bien grosse. Vous voulez savoir combien elle pèse? Elle pèse un peu plus de 45 kilos. Oh, 45 kilos. Wow. Et voilà. Ok, et voilà. Une grosse feuille de laitue. C'est ça que Greta va manger. Et voilà. Hé, hey, c'est par là. Ouais. Wow. Hé. Hey. Hello. Wow. C'est une grosse feuille de laitue.
puisque nous avons touché les animaux, je pense qu'il serait bon d'aller aux toilettes pour nous laver les mains. Allons-y! Ok, bienvenue aux toilettes! Wow! Regardez! Oh! Oh! Vous avez vu, ces toilettes sont sous l'eau! Et elles ont d'ailleurs gagné le prix des meilleures toilettes d'Amérique! Waouh! On peut se laver les mains là! En observant les requins! Les requins et les poissons! Waouh! C'est génial! Trop cool! Bien, j'ai lavé mes mains, maintenant il faut les sécher. Vous, profitez de la vue! Ok, descendons l'escalator. Tout au fond de l'océan. Venez! Wow! Regardez! C'est comme si on était sous l'eau. Regardez par là! C'est génial! Je vous présente les grands fonds scéniques! Wow! Hey! Qu'est-ce que vous faites là-haut? Venez donc en bas! Wow! Hey, regardez! Hello! Hey! Ça, c'est un lion de mer! Oh! Et il y en a un autre, juste par ici! Oh, c'est si gros! Oh! Trop cool! Oh, regardez, regardez! Oh! Hello! Wow! Et il y a aussi un phoque pas loin! Allons essayer de le trouver. Ah, voyons. Oh, le voici. Hello. Vous voyez ça, là? Ça, c'est un phoque. Hello. Alors, on a trois lions de mer, d'accord? Et un phoque. Et la meilleure façon de les différencier, c'est ça. Je vous montre. Donc, si vous êtes un lion de mer, vous utilisez vos nageoires pectorales pour marcher un peu comme ça. Mais les phoques ne font pas ça. Les phoques... Oh, hello! T'es curieux, hein? Il est curieux. Waouh! Ça, c'est un lion de mer. Donc, il marche avec ses nageoires. Hello, 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 hello. Ils sont très malins, ces animaux. Vous voyez comme il me suit? Je vais essayer de changer de direction. Wow! Ok. Les phoques, ils ne marchent pas comme ça. Vous savez, ça, c'est un lion de mer. Lion de mer. Et un phoque, ça n'a pas autant de puissance à ce niveau. Et c'est plus ramassé et trapu. Alors, voilà comme ils font. Oh, 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 oh. En fait, il se tendine. Oh. C'est bizarre. Waouh, quelle magnifique créature. Et regardez-les un peu encore. Waouh, des pingouins. Ouais. Nous sommes dans les coulisses de l'aquarium et nous allons voir quelques pingouins. Allons-y! Ok. Marchons tout doucement et soyons très calmes également. Hello! Salut, qui êtes-vous? Hutch. Oh, voici Hutch. Ok, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille avec les pingouins et les reptiles. Ah, les pingouins et les reptiles. Vous voyez les pingouins là derrière? Oh! Hello!
Ce sont les deux seuls pingouins ici? Oh non, nous avons d'autres amis qui arrivent. Voudriez-vous prendre un jouet? En fait, nous allons jouer avec eux. Ah ouais? Ok, prenons un jouet et voyons un peu plus de pingouins. Oh, regardez par là! Ils adorent tous les mouvements avec les jouets, vous voyez? On a donc Violette, qui est déjà là pour nous saluer. On dirait qu'elle aime bien mon ombre. Cela peut arriver, les pingouins adorent le contraste des couleurs. Et ils voient aussi les couleurs réellement. Ils ont des bâtonnets et des cônes dans leurs yeux, un petit peu comme nous. Ok. Bien que ce soit des oiseaux, ils se comportent comme des petits chats, hein? Juste un peu. Ils aiment jouer avec tous les différents types de jouets. Et juste comme les petits chats, ils nous disent quand ils veulent être touchés. Ok. Intéressant. C'est hyper cool. Hé, venez plus près. Oh, bye bye. Les pingouins sont trop coquins. Et d'où viennent ces pingouins alors? Ces pingouins sont d'Afrique du Sud et... Et? On en a 32 spécimens ici, dans l'aquarium. Waouh, 32 pingouins ici. Et ils viennent d'Afrique du Sud. Ah, pas d'Antarctique? Pas de l'Antarctique. C'est en réalité l'une des espèces de pingouins qui préfèrent les climats chauds. Oh, ok. C'est hyper cool. Intéressant. Climat chaud et pingouins. On en apprend tous les jours. Hey, allons nous asseoir par ici. Car Hutch va nous amener un pingouin ici. Oh, j'ai trop hâte. Je vais toucher un pingouin. Oh, hello. Salut. Ah, alors, je vais toucher le pingouin. Avec deux doigts, doucement sur son dos. Hey, tu es prêt? Oh. Oh. C'était si doux. Saviez-vous que les pingouins ont une très forte densité de plumes? Ouais, elles sont toutes petites et très denses. Je le touche à nouveau, Hutch? Oui, tu peux. Hey. Ça fait du bien. T'aimes ça? Là, elle fait son numéro pour vous. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, quand elle secoue la tête? Ça veut dire qu'elle est très heureuse et vous pourriez peut-être être son nouveau copain. Oh! J'espère qu'elle veut pas un bisou. Oh! Hello! Ça, c'est un petit pingouin bleu. C'est assez petit. Waouh! Ce tableau donne les tailles des différents pingouins. Oh! Là, c'est le pingouin d'aujourd'hui. Un pingouin africain. Waouh! Et ils deviennent de plus en plus grands. Waouh! Waouh! Regardez comme ils sont grands! Oh! Regardez la taille de ce pingouin là! Oh! 1m30! 1m30 de hauteur? Wow! Regardez comme c'est grand! Oh! C'est un très grand pingouin! Wow! Regardez un toucan! Vous voyez son bec? On dirait un peu la forme d'une banane. Très colorée la banane. Il y a un autre oiseau par ici. Venez! Wow! Hello! Les couleurs du perroquet? Hello! Comment ça va? Wow! Alors, nous avons du jaune, bleu, et sur sa tête, c'est vert. Hey! Hey, il y a un autre animal juste là-bas que je veux vous montrer. Venez! Wow, regardez! Regardez cet animal! Il bouge très lentement. Connaissez-vous cet animal? Oui, c'est un paresseux. On fait le paresseux ensemble? Mmh.
Ce sont des loutres. Elles sont trop mignonnes. Regardez-les aller sous l'eau. Wow! Je parie qu'elles retiennent leur souffle très longtemps. Wow! Elles vont vite. Oh! C'est un peu comme des chats dans l'eau. Mais pas des petits chats. Wow! Hey! Hello! Ouh! Voilà un autre! Wow! Cool! Wow! C'était tellement fun d'étudier toutes ces créatures de l'Odyssey de Scottsdale en Arizona avec vous! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, ce que vous avez à faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bien! On se voit vite!